Aujourd'hui, si vous êtes encore en CDI, il est très probable que vous travaillez pour l'argent. Vous avez un taux horaire sur un contrat de travail. C'est-à-dire que si vous travaillez une heure, vous allez par exemple gagner 12, 13, 14 euros. Le truc, c'est que le jour où vous arrêtez de travailler, vous ne touchez plus aucun argent. Et ça, c'est un problème parce que du coup, vous devenez dépendant de ce travail. C'est un peu le problème du salariat, c'est que vous êtes dépendant de votre emploi. Et aujourd'hui, le seul moyen finalement de ne pas travailler pour de l'argent, c'est de faire travailler l'argent pour soi. Il y a une nécessité absolue à sortir du taux horaire, à sortir de l'heure qui va vous rapporter tel tant d'euros. Ça, c'est un modèle qui ne fonctionne pas pour les personnes qui veulent se libérer du travail, qui veulent sortir du métro boulot dodo. C'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas, c'est parce que c'est quelque chose qui paraît compliqué, c'est quelque chose qui paraît ésotérique. Aujourd'hui, quand je raconte à des gens que je gagne de l'argent sans travailler, à proprement parler, c'est-à-dire en investissant mon temps 5 heures par jour, enfin 7 heures par jour, 35 heures par semaine, 151 heures par mois, clairement, ils me regardent avec des grands yeux parce qu'ils ne croient pas à ce système-là. Mais ce système-là, il existe, il y a pas mal de gens qui le font, c'est comme ça que des gens travaillent moins et réussissent à garder un niveau de vie suffisant. Donc arrêtez de vous tuer à la tâche en travaillant dur, mais travaillez intelligemment, soyez plus malin que le système, regardez-le de haut et surtout, réussissez à en sortir en faisant les actions qui vont vous libérer.